Je vois du vert, je vois du bleu. Johnny, l'homme des grands rendez-vous, encore un groupe ce week-end, c'est incroyable ce qui se passe là. Pour ta carrière à 45 ans, tu le disais hier, les groupes 1 ça s'enchaîne comme des perles. 44. Ouais. Bah c'est un track de longue haleine qu'on a fait avec Daniela et il courait avec le bonnet avant, il était un peu allant. Puis avec le temps, il est devenu vraiment cheval de course. Et bravo à Daniela et à son équipe parce que moi, je viens juste le sauter et lui bourrer la tête, comme on dit. Et il est meilleur sur ce type. Hein. Je le préfère sur ce type. Et en plus, t'as dû prendre un plaisir de fou parce que t'es venu comme ça, t'avais gagné depuis l'entrée de la ligne droite, j'ai l'impression, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je l'ai monté comme dans la Liston, le coup d'avance. Je l'ai monté voilà, dans le dos du leader. Dans le tournant, j'ai fait des appels pour le mettre son travail. Et après, ça reste à mêler, ils sont durs. Comme je disais dans l'interview avant, les mêlés, là, les curés mêlés, ils ont une piste extraordinaire. Moi, j'adore sauter là-bas. Donc, ça prouve le résultat. Ils font des bons chevaux. On a gagné le Grand Prix la dernière, là, un groupe 1. Il y en a plein d'autres. Puis l'élevage Chérel, c'est quand même. Il n'a pas des origines de champion. Je crois que le père a gagné son 1300 mètres, 1400 mètres, la mère aussi. Et il a enfin un cheval d'Auteuil. Bon, bravo à l'équipe Daniel Amélès, que là, vous voyez le mec qui est en main là. C'est un passionné, c'est tous des passionnés. Une équipe comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Bravo Johnny! Bravo mec! Bravo. Daniela, félicitations. impressionnant pistache doré. Génial. Oh, super. Quel cheval. Est-ce que vous y croyez fortement avant la course, qu'il venait de bien gagner, mais de là à battre tous les meilleurs, est-ce que vous y croyez fortement? J'ai une petite politique à moi, c'est que quand les chevaux ils sont vraiment bien, ils sont bien courus, je tente la bonne course et je m'occupe pas beaucoup des autres. Ouais. Voilà, je savais que mon cheval était bien, mais je voyais pas une première chance. D'ailleurs, j'ai dit à Johnny de le monter pour une place et c'est ce voilà où ça se passe bien. Voilà. Dis donc, le tandem mêlé Charon, ça s'est fait du feu de Dieu après Rosario Baron, encore un groupe 1. Oui, tout à fait. Je m'attendais. Non, mais c'est bien, c'est top. Johnny, il connaît le cheval au bout de ses doigts. C'est bien ce qu'il a fait. Bravo.